Hey, ça vous a plu? On continue! Épisode 4, c'est ça, oui, de My Colony. Donc, on est reparti. Donc, on continue à vider un petit peu l'océan, mais à mon avis, on n'est pas sorti du sable. Ah, d'accord, ok! Ah, d'accord! En fait, on peut pas! En fait, c'est infini! Donc, ils vont rester là pour l'éternité et me produire de l'eau à volonté. Donc, en fait, les pompes me servent même à rien, en fait. En fait, j'ai juste besoin de ça. Et puis, ça va quoi, je produis de l'eau. Tout va bien. Eh ben écoutez, si c'est comme ça va pas être compliqué, hein. Par contre, on peut détruire. Si on peut détruire. Ah oui, on peut détruire. Donc, je vais juste me libérer. Voilà, ça comme ça. Et puis, par contre, bah, je vais me créer un pont. Je vais juste me créer un pont, donc on va prendre ça comme ça. Voilà. À partir de ce principe-là, et puis on va. Alors, pour détruire, j'ai une. Non, j'ai pas de touche visiblement. Voilà, comme ça, bah, j'ai un pont, quoi. Donc pour accéder d'un côté à l'autre de cette rivière. Et puis voilà. Ok. Par contre, j'ai plus d'énergie. Un peu de marge. Donc évidemment, ouais, j'ai fait un petit peu le fou avec les pavés lumineux, mais bon, c'est pas grave. On va rester sur la même lancée. Non, puis je sais que bon, voilà, en 2018, enfin oui, parce qu'au moment où je tourne, on est fin 2018 là en fait, hein, on n'est pas encore 2019. Mais même en 2019, hein, ouais, on a des gens qui râlent contre la pollution lumineuse, mais avouez que de l'espace, bon, notre planète, elle a quand même un peu de gueule la nuit, quoi. Non, tout le monde va me dire, non, c'est horrible. Les pauvres oiseaux qui savent plus quand est le jour et la nuit, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, bref. C'est discutable. On sait que c'est de la pollution lumineuse, mais avouez quand même que les vues satellites de nos métropoles la nuit sont quand même classe. On sait que c'est de la perte d'énergie, on sait que voilà, que c'est écologiquement très discutable, mais c'est classe, faut l'avouer. Bon, ben, résultat, moi je terminais doucement tous les. Bon, ben, je pense que je les ai quasiment tous, je pense. Ici, au Doka, on a tout déblayé. Hein. Dans toute cette partie-là, là, il n'y a plus un. Il n'y a plus de fer du tout. Hein. Bon. Hop. Alors.
S. Ok, donc tout ça, c'est pas encore exploité. Je dézoome un petit peu. Donc tout ça, c'est pas encore exploité. D'accord, alors eux par contre. Ouais, eux c'est parce qu'ils exploitent l'or. Alors on va peut-être construire juste un. Pour exploiter l'or un peu plus proche. Puis on le détruira plus tard. Ok, pareil. Ici. Ouais, parce qu'il y aura de l'or plus tard, mais. Mais en soi, on s'en fiche. Ok. Alors maintenant qu'on a de l'acier et qu'on en a plus. Enfin, qu'on. Là, on n'a plus énormément de demandes. Alors si, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est on va upgrader les usines. Ça, voilà. Et puis on va upgrader au fur et à mesure également. Ah oui, non, j'ai dit l'école. J'avais dit l'école. Donc on va développer ça. Et bien sûr, il me faut 2000, donc j'avais ce qu'il fallait à l'instant. C'est pas grave. Alors. Bah c'est pas grave, écoutez. Oh! Non, Je sais pas, j'ai eu un truc baby colony, mais. Oh! Ça c'est cool ça. Donc ok, donc je peux développer les communications longue distance. Je regarde un. Ok. En soi, ça sert à rien. Enfin, le charbon, il me sert apparemment qu'à faire des lits. Enfin, des pavements. Mais ça me sert à rien, quoi. Enfin. En quoi c'est utile? Bon après bon j'ai le diamant. Bon le diamant pareil, je sais pas trop à quoi ça peut servir à part à le vendre. Mais le prochain truc qu'il me faut c'est la manufacture. Il me faut la manufacture à 400 pour pouvoir créer des microchips. Et ça voilà quoi. On va encore. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader l'eau? Je pense plutôt que ça vaudrait le coup d'upgrader l'électricité. Oh l'école! Ouais bah tant pis, hein. J'ai besoin d'énergie. Parce que là je suis vraiment pas large en énergie. Voilà, là j'ai déjà 200 d'avance, donc c'est déjà mieux. Après, bon, c'est pas vraiment ce qui est top, mais alors, par contre, oui, avec ça, je peux importer mais pas exporter. Hein. Enfin, je peux exporter mais pas importer plutôt. Ok, donc ça, je paye et je récupère l'aide de 75, si tu veux. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça produit, ça? D'accord, ça peut me produire de l'argent de base si j'ai des salariés dedans. Bah, ça vaut le coup de le savoir. Bon. Alors moi je suis embêté parce que je trouve pas. Attendez. Il y a l'encyclopédia. Donc il me faut. D'accord, ils ont même sorti les tutoriels vidéo. Wow. Voilà, construction. D'accord, ok, ça bug un petit peu. Alors. D'accord, ok, bon. Ah, oh, c'est pas vrai, attendez. Non, non, c'est un peu la merde, leur truc là. Oula. Je suis passé en mode manette. On peut jouer à la manette à ce. Attendez, attendez, attendez. Je sais pas pourquoi il m'a mis le jeu en mode manette. J'ai pas bien compris. On peut jouer avec une manette à ce truc-là? Non, par contre, l'encyclopédie là, in-game, c'est du caca, hein. C'est du caca, hein. Clairement. Ok, sinon il y a le truc en ligne, mais je vais pas le mettre parce que sinon avec Action ma fenêtre va passer devant et puis voilà. Donc sinon. Hop, microchip. Si ça se trouve, c'est juste ça qu'il me fallait. Donc, maintenant. Voilà. Et il me faut 5000 en acier. Eh ben, je suis pas sorti du sable. Écoutez, c'est le prochain truc. Donc moi, je vous propose éventuellement c'est de passer en time-lapse. On peut éventuellement passer en time-lapse. Hein. Là, il va rien se passer. Je vais juste attendre à Wheel Factory. Oh, je peux construire une fabrique de roues. Ouais, mais ça va. Juste qu'il faut. Enfin, j'ai encore un petit peu de marge pour pour les roues. Et puis pareil, ça me demande énormément d'acier. C'est fou l'acier, ce que ça me demande un acier, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je veux non plus. Est-ce que je peux importer? Bon, donc il va falloir que j'attende un petit peu pour avoir ça. Sinon, il me reste encore quelques points. D'accord, j'ai le tourisme colonial également. D'accord, donc j'ai beaucoup de technologies qui commencent à se débloquer. Mais... Chaud quoi. Alors, est-ce que les prix... Ah, les prix de la viande ont légèrement augmenté. Je vais vendre un petit peu de. Voilà. De viande. Alors, après, voilà. Je peux vendre également un peu de rhum.
Ça me donne 300 en pognon. T'as la TVA à 5%, ouais, bon. Après, le style, voilà, hein, ça. Après, oui, je peux vendre un peu d'or, hein, honnêtement, de l'or j'en ai. L'uranium, c'est ce qui va rapporter le plus. Quand je pourrais aller chercher de l'uranium. L'uranium, en fait, je m'en servirais pas pour créer de l'énergie. Parce que c'est une ressource qui est trop limitée, et puis je crois pas qu'on puisse en produire comme on veut. Ou alors ils ont rajouté ça dans le jeu. Mais ça vaut pas le coup l'uranium. Ça vaut pas le coup dans le jeu. Donc vaut mieux le vendre. Vaut mieux le vendre, ça rapporte des sous, et puis voilà quoi. Enfin, après, on peut essayer de produire d'énergie avec de l'uranium, hein, mais le problème c'est qu'on en a en quantité limitée sur la planète et je pense pas qu'il y ait de synthétiseur. Voilà pour pour créer. Ok, donc attendez, tout ça c'est d'accord, tout ça a été vidé. Wow, et les gars, vous n'avez pas chômé là. Donc tout ça, ok, donc je vais détruire quelques. Hop. Bon, eux, je vais les laisser parce que voilà, ils sont. Ok. Ici pareil. Ah, le truc c'est que ça c'est très vite, hein. Donc ils vont me vider la carte de fer assez rapidement. J'ai 173K de fer, donc ça va. Honnêtement, ça va. Et puis après, l'idée c'est de créer des mines, hein, simplement. Pas se faire chier. Même là, si je veux me taper un délire, je peux faire ça. Là, bon bah pareil, hein, voilà, ils vont me rajouter 10 000 en plus. Donc attendez, je juste pour être sûr, hein. Voilà, les mettre en mode harvest, confirmer le mode harvest en fait. Bon, donc ça c'était une chose. Donc voilà, j'ai mes 2 000 de fer cette fois-ci. Je le rate pas, je fais l'école. Je fais l'école. Hein. Donc je vais la faire juste à côté, voilà, des bâtiments. Mais je doute que ça me crée en fait. En fait, il y a une ressource qui s'appelle le civisme. Ça, je sais pas si dans l'encyclopédie je peux la choper rapidement. Encyclopédie. Ressources. J'ai la monnaie. J'ai le sucre. J'ai l'eau. L'hélium. Le rhum. Steel. Oil. God. Uranium. D'accord, ok. Il y a des ressources que par contre j'avais jamais vues, hein. Voilà, Civics. Donc ça me vient du Civic Center, Capital, Consulate, Capital Level 4, tout ça. Alors, simplement, est-ce que.
Donc ok, donc la statue est pas dans le truc. Donc ouais, ok, donc ce sont des bâtiments que je n'ai pas encore de toute façon. Mais voilà, vous parcourez cette liste-là, honnêtement, vous avez... Waouh quoi, vous voyez un petit peu tout ce que... Genre, il y a une porte des étoiles. J'ai vu Stargate. Allez mec. Bon allez. Et donc la monnaie, en effet, donc ça peut venir du mass driver de base. Ensuite on a les banques, on a tout ça. Ok. Et donc on a une école. D'accord, ok. Et donc on va avoir des étudiants et des professeurs. Et tout ça, d'accord, ok. Bah très bien, ok. Ok, bah non, bah c'est cool si je peux avoir les statistiques là-dessus. Ok, ça consomme 12, 12 de... Donc ça demande des... D'accord, des gens qui ont 90 de QI déjà. D'accord, il faut un minimum de 50 de QI, donc avant il faut qu'ils aillent sur Internet, voilà, de base quoi. Si je regarde par contre Internet, résultat. Donc consommation de power 1. Ah bah non, c'est paradoxal, là il faut 60 pour... Bon. Je suppose qu'ils peuvent pas être en dessous de 50 quand même pour... voilà quoi, pour arriver sur le... Sur la colonie. Eh, n'empêche que là, vu le nombre de, sa de colons, on doit pas être trop mal là. Niveau emploi, niveau tout ça. Hey. Eh ouais, alors on a 129, ouais, donc de toute façon on a suffisamment de place pour notre population. On peut même se permettre d'avoir un peu de chômage. Donc voilà, ok, d'accord, c'est cool. Donc c'est bon, donc on a une colonie là qui commence vraiment à bien se porter. Honnêtement, elle commence à bien se porter, ouais. Donc je vous dis, la prochaine étape, c'est le microchip. À 5000. Et moi je vous le dis honnêtement, je pense que ça a passé en timelapse tout ça. Ça, on va leur laisser parce que ils font mumuse avec. Ok, donc tout ça, voilà. Ah, oh, encore les taxes. Putain, ils me bouffent 1000 à chaque fois. Hein. Ok. Honnêtement, je pense que je vais vendre de l'eau. Je vais vendre de l'eau. C'est pas... J'en ai en quantité illimitée de l'eau. Donc je peux en vendre, même si c'est pas énorme parce que c'est 39 et puis voilà quoi. C'est toujours ça. Voilà, je repasse à 10K. Je vais pousser jusqu'à 11K parce que voilà, hop. Et puis l'eau à la limite, voilà quoi, je m'en fiche quoi.
Alors c'est dommage qu'on puisse pas vendre plus en quantité d'un seul coup. Ça c'est un peu dommage. Et puis sinon je peux aussi vendre un peu de rhum. Allez. Ok, oui, j'ai compris. Tu veux que j'active ça? Allez, on va l'activer. Je suppose que le charbon va me débloquer. Bon, voilà, j'ai du charbon. Alors, je sais pas ce que, je sais pas si, ah, si, ça va débloquer les bâtiments, visiblement. Charcoal burner. D'accord, ça me permet de créer de l'électricité à partir du charbon. Bon, pourquoi pas. D'accord, ouais. Ok, donc ça c'est du stockage et ça me permet apparemment de produire du fer à partir du charbon, en recyclant le charbon. Ouais. Enfin non, enfin physiquement ça n'a aucun sens. Parce qu'on est parti du principe que or c'était, enfin or ça veut dire minerai en anglais. Mais j'étais parti sur l'idée, moi c'était du fer. Bon. Ils sont partis où, mais... D'accord, sont partis par là. Je sais pas, ils ont sauté des mines, je sais pas trop pourquoi. Donc... je les laisse parce que c'est... Bon, bah, en tout cas, j'ai presque vidé la planète de... Enfin, je vais bientôt avoir vidé la planète de... De son fer. Enfin, de ses minerais. Attendez, excusez-moi. Petit problème avec... D'accord, ok. Alors j'espère que ça s'est pas trop entendu. Ok, excusez-moi. Parce que mon micro, je sais pas, il y avait un truc bizarre au fil. Ok. Pas trop mal là. On y va. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque 3000 de d'acier, toujours. 3000 d'acier. Avec 200 points de recherche, je crois pas que je puisse développer quelque chose. Excusez-moi. J'ai cliqué sur la pub et résultat, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre, je sais pas pourquoi. Bah écoutez, moi je vous propose, c'est un petit time-lapse.
là depuis le temps que je le dis. Donc un petit timelapse sur ou alors attendez, je réfléchis. Alors un petit timelapse sur le temps qu'en fait mon acier monte, moi je vais vendre de l'eau. Et ça vous évitera d'avoir le bruit et plutôt d'avoir une musique pendant ce temps-là. Allez, c'est l'heure du timelapse. Excusez-moi, ça se fait. Voilà, bon, donc il y a une coupure, donc il y a donc pas de timelapse. Et quand j'ai relancé l'enregistrement, ben je me viens de me rendre compte que mon micro en fait était pas rallumé. Donc j'étais en train de parler dans le vide et puis ben, vous aviez 5 minutes de vidéo dans le vide, donc j'ai préféré ben, l'enlever. Donc ce qui s'est passé, donc j'ai donc créé mon atelier de microchip qui emploie 26 personnes. Donc j'ai déjà 16 personnes qui sont employées, dont 11 qui sont actives dans l'entreprise. Donc là, voilà, je vais commencer à créer des microchips. J'en ai déjà 3. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va voir un petit peu ce que ça m'a débloqué. Mais avant ça, donc on va se baser un petit peu sur autre chose. En attendant que les microchips se créent, tout ça. Le payroll, ok. Donc on va créer du charbon. On va créer du charbon, donc on va donc j'ai besoin de plus de véhicules, voilà, de Forest Rover. Donc là je peux en créer 2, donc ce qui m'en fait 4, et il m'en faudrait un de plus idéalement. Donc hop, je vais double-cliquer, voilà, et je vais les envoyer en Harvest. Voilà, donc, et je vais, voilà, je vais créer les, donc, des trucs à charbon, là, pour pouvoir, enfin, voilà, pour vendre, en fait, du charbon, pour pouvoir en vendre, parce que, au niveau des ventes, bah, je me suis rendu compte que le charbon, bah, c'était pas si dégueulasse que ça, quoi. Donc, voilà, ça rapporte 231, 231 à la colonie. Pour 100 charbon vendu. Alors j'ai également, hein, je stocke également mon rhum, hein, toujours dans les, parce que je le vendrai plus tard quand j'aurai besoin. Donc voilà, donc pour le moment, voilà, donc j'arrête du bois, voilà. Et j'ai déjà remplacé 2 de mes shelters par un complexe résidentiel qui peut accueillir 26 personnes, alors qu'un shelter normal ne peut accueillir que 3 personnes. Et je ne sais pas pourquoi il y a une barre de chargement. Ça produit quoi, ça? Des déchets? Ça produit des déchets. Très bien, d'accord. Pareil, mes déchets, j'arrive à 5000. Il va peut-être falloir que... Voilà, je... En fait, il va falloir que je crée plus de... Plus d'incinérateurs, tout simplement. Donc je vais créer rapidement des incinérateurs. Mais on va regarder un petit peu avant les bâtiments que je peux construire à présent que j'ai des microchips. Alors, je peux pas les construire immédiatement, il me faut beaucoup plus de microchips. Mais on va déjà. Ah d'accord, ok. Donc déjà, ah d'accord. Donc on va avoir le Civic Center. Ça va me, en fait, me créer du civisme. Et ça va m'aider notamment à prendre la voie de l'indépendance. Donc ça, il va m'en falloir, mais pareil, il faut de l'acier. Ah, par contre, ça coûte que 5 microchips. Donc en soi, j'ai déjà suffisamment de microchips pour en créer 2. Donc quand j'aurai 25 microchips, je pourrai en créer 5. Donc c'est pas mal. J'ai le Ore Freaking Opération. Alors ça, c'est chouette aussi. Ça me permet, en fait, bah, c'est en fait une mine de... Une mine de minerai, donc de fer illimité. En fait, je la pose et ça me produit comment, de l'or, enfin du or en illimité. Donc ça, c'est cool. Donc là, on tombe vraiment sur les bâtiments intéressants. Bon, on a la tree farm, ça pareil, ça c'est quelque chose qu'il faudrait, ouais, je développe pour produire du bois.
J'ai le pub. Ah, j'ai les pubs aussi, là, je peux les... Ah oui, j'ai de quoi les construire, mes pubs. Donc il y a ça. D'accord. Il y a les supermarchés. Et donc il y a les supermarchés, donc qui peuvent me produire pareil du civisme, mais d'accord, par contre là au niveau emploiement, voilà, 40 employés, tout ça, ça demande voilà. Bon, donc tout ça, ce sont des bâtiments qu'on peut créer. Mais ce qu'il va falloir en priorité, c'est le Civic Center. Et éventuellement leur fracking. Ouais. Leur fracking pourrait être intéressant aussi. Honnêtement, ça pourrait être très très intéressant. Ça me prend combien? 2 sur 3? On verra. Mais je pense que c'est le Civic Center qu'on va... Ah oui, mais le Civic Center, il me faut 3 000 de... Excusez-moi. 3 000 d'acier pour... voilà. Donc ça me produit donc 84 de steel par minute. Alors que ceux-là me produisent 24 par minute. Ouais. Est-ce que j'upgrade? Honnêtement, je serais tenté d'upgrader pour augmenter plus vite la montée et puis c'est tout. Hop, on va faire ça comme ça. Alors, je vais attendre que ce soit créé avant de continuer. Les taxes, on paye évidemment. Ok, je peux upgrader aussi celle-là. Et celle-là, je les upgraderai pas. Hein. Je les... Honnêtement, je pense que 5 grosses usines sont suffisantes. En vrai. Ok, on n'est pas trop mal. Est-ce que je peux... Et je peux upgrader la dernière. Il me dit que j'ai les ressources pour. Ok. Alors par contre, je crains que en fait, ben, je n'ai plus suffisamment de patates. Donc, on va juste créer quelques champs de patates en plus. Alors, hop, potato farm. Voilà, et évidemment, il va me falloir, mais ça, je l'ai. Donc toi, j'aurai besoin de toi pour me créer ça. Et ensuite, il ira me créer les... ce qu'il me faut. Ok, donc ça c'est bon. Donc j'en ai combien là? J'en ai que 4. Ouais, après il y a de la lue. Il y a de la lue, c'est pour ça que. Hop. Bon voilà. Donc là, il va commencer à me construire mes. Donc là, bah, j'ai 4 véhicules donc qui sont en train de me farmer du bois. Et donc j'ai un véhicule qui est en train de me créer donc les charbon huttes qui me permettront donc de produire du charbon. Et donc voilà. Voilà. Après, comme je l'ai dit, ce qu'il me faudrait, c'est... Voilà, la tri-farm, ça, bon, ça serait pratique.
Parce que ça me permettra en fait, ben de, en fait c'est une, c'est un, comment on appelle ça? Arbo. Ben voilà quoi, c'est un endroit où les arbres sont plantés puis abattus régulièrement. Excusez-moi, il y a une coupure, j'ai déconnecté mon disque dur sans le faire exprès. Donc, résultat, l'enregistrement s'est arrêté net. Voilà, ah oui, donc j'explique. Donc, j'ai développé les communications longue distance. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai débloqué donc ces transmissions hub. Et je me suis aperçu donc qu'il dé... Ah, non, ça varie? D'accord, ça varie énormément parce que à l'instant ça me disait que ça développait. D'accord, ça varie énormément. Mais apparemment ça vaut le coup. Ouais, ça varie énormément. Alors c'est moins stable que les labos. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, si les labos. Bon, bref, j'ai hésité à me créer un petit parc de ces antennes. Après, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, ça coûte pas cher. Honnêtement, ça coûte pas cher. Parce que si j'en construis 10, ça me consomme que 1000 d'acier. On va partir là-dessus. Honnêtement, on va faire un petit parc de... Voilà, de 10... hop. De 10 là, hop, on va les cercler et puis ça va nous, pareil, nous générer des points de recherche. Donc voilà, donc on construit ça rapidement. Au niveau microchip, ça devrait suivre aussi. Et par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai toujours pas les synthétiseurs d'or. Et ça, j'étais censé les avoir avec les microchips. Donc, c'est quelque chose encore qui me manque. Ah non, c'est là. Ok, il me faut 750 points. C'est dans l'avancée de chimisterie, et là, j'ai le Gold Synthesis Lab. Et j'ai l'atmosphère condenseur, mais ça, c'est même. D'accord, j'ai même l'or synthétisis et l'aluminium raffinerie. Ok, d'accord. Donc là, la prochaine technologie qu'il me faut, c'est ça pour pouvoir débloquer les ressources supplémentaires, les bâtiments supplémentaires. Donc là, j'en suis où niveau... Ouais, je suis à 300 points de recherche. Eh merde, je suis à court d'énergie. Je suis à court d'énergie. Mais j'avais dit qu'il fallait de toute façon que je construise. Voilà. Alors, je vais en construire beaucoup plus que ça. Voilà. Voir donc on est bon, on est bon. Alors on est bon tant que j'ai des déchets.
Ok. Et donc là, donc j'ai des points de recherche qui vont augmenter un peu plus vite. Ouais, parce que là, les déchets, ça part vite quand même, là. Ça part vite quand même, les déchets, là. Ouh, puis j'ai pas vu. Je suis en... Alors, attendez. Dommage qu'on puisse pas me mettre le jeu en pause. Alors, on va... Pareil, alors. Ma touche S. On va recréer un complexe... complexe résidentiel, hop. Parce que là, nos colons, ils sont... ouais, puis là, résultat, j'ai des sans-abri pour le moment. Ok, et je peux créer des civic centers également. Ah, qu'est-ce qui manque? Il manque quoi en ressources? De l'or, j'en ai. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut. Non, c'est juste long à construire. Ok, d'accord. Alors, honnêtement, j'hésite là parce qu'il y a le Civic Center. 25, il me dit que les 25, je peux les. Allez. Hop, on va les construire. Donc, je vais les construire ici. Je vais les construire ici. Donc, je vais en construire un. En vrai, je peux en construire deux. Enfin, il me semble. Ok, il me dit qu'un supermarché est nécessaire par contre maintenant. Est-ce que je peux le construire le supermarché? Non, il me faut 10 000 de. C'est mort. Il me faut 10 000, donc c'est mort. Et en plus en énergie, là, je suis vraiment trop, trop, trop ricirac. J'ai que 200, ouais, j'ai que 200 d'avance. Va falloir que je redéveloppe quelques panneaux de plus. Bon, sinon mon microchip c'est bon, hein. Enfin mon atelier de micropuce c'est bon. Alors lui pour le moment je vais le désactiver parce qu'il me consomme du bois alors que j'en ai besoin. Donc voilà, donc ok. Donc là, donc pareil, hein, il va me falloir des employés là-dedans, mais ça va arriver. Là-dedans, bon ok, j'ai 9 élèves. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien en fait. Ok. Mais enfin, ça se passe plutôt bien, mais va falloir que je réagisse très très vite. Parce que là, le problème, c'est que mes déchets arrivent à terme, et donc ma production d'énergie avec. Est-ce que je continue? D'accord, il marque 2-4 capacity alors qu'en fait je suis qu'à 1500. Il va m'en falloir plus. Il va m'en falloir plus parce que après ça va. Maintenant, non, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est. Pour upgrader, c'est U. Après, j'ai toujours la solution de créer des panneaux solaires basiques plus loin, mais. Mais honnêtement, non, ça vaut pas le coup. D'accord, ok. Donc là, j'ai le.
D'accord, eh, je peux, si je veux, je peux lancer l'upgrade de tout et ça m'affiche les ressources. D'accord, donc en cliquant dessus, je peux faire ça, mais bon. Le problème, c'est que si j'upgrade tout, en fait, ça va tout désactiver et donc il faut que ça suive, quoi. Ah oui, ma capacité elle a chuté parce que justement j'ai plus de. J'ai plus de trash, enfin de. Ok, bon. Pour le moment, on est comme ça. Bon, et eh ben tant pis. Et ici. Je devrais commencer à créer mes premiers points de civisme très prochainement là. Bon écoutez, de toute façon on arrive à 1 heure là maintenant. Donc sur ce, donc on va s'attaquer au civisme certainement à l'épisode suivant. Donc désolé, hein, beaucoup de coupures, trois coupures je crois au cours de cet épisode. En même temps ça avait pas de mal. Et puis ben je vous dis à bientôt.